Vainqueur du tournoi de Stockholm, Gaël Monfils retrouve son meilleur niveau à 37 ans. Le tennisman a pu vivre un beau moment et il en a profité pour remercier les femmes de sa vie, toujours présentes à ses côtés. Gaël Monfils fait partie de ces athlètes qui s'améliorent en vieillissant et à 37 ans, il semble toujours aussi performant. À l'image d'Olivier Giroud, impressionnant au même âge, le tennisman originaire de Paris vient de réussir une très belle performance en remportant le 12e trophée de sa carrière du côté de Stockholm, en Suède. Un très beau résultat qui lui permet également de repasser dans le top 100 mondial. La vie est belle donc pour Gaël Monfils, qui a eu la chance d'être encouragé par sa femme, Elina Svitolina, présente en Suède tout au long de son parcours. La joueuse de tennis ukrainienne n'était pas accompagnée de leur fille, la petite Sky, mais le Français a profité de son discours de remerciement après sa victoire pour évoquer son premier enfant. Elle est devant la télé. Si est-ce la première fois que je gagne un tournoi depuis que je suis père, donc si est-ce vraiment spécial d'avoir ces trois femmes dans ma vie, a déclaré, ému, le grand copain de Benoît Père. Une belle pensée pour sa mère, Sylvette, un tournoi où sa mère s'est également déplacée pour le voir jouer. Si son père, Ruffin Monfils, est bien connu des amateurs de tennis, la mère de Gaël Monfils se fait plus discrète. Toute heureuse de la victoire de son garçon, Sylvette Cartès a eu le plaisir de l'entendre dire un petit mot à son égard à la fin de la rencontre. Si est-ce toujours génial de gagner un titre lorsqu'elle est là. Le dernier était à Metz, en 2009, note de la rédaction, donc j'espère qu'elle est contente, lance le vainqueur, tout heureux d'avoir pu rendre fier sa mère. Une belle résurrection pour Gaël Monfils, qui n'a pas mis longtemps avant d'exprimer sa joie sur les réseaux sociaux. Quelle incroyable coïncidence! 12 ans après avoir remporté pour la première fois le tournoi de Stockholm, je me retrouve une fois de plus sur la première marche du podium, écrit-il en commentaire de belles photos, dont une avec Sylvette et Elina. Ce titre est d'autant plus spécial que si est-ce le premier que j'ai gagné en tant que père. Avoir ma femme, ma mère et ma petite fille à mes côtés rend cette victoire encore plus belle, poursuit Gaël Monfils, avant de conclure, en avant vers plus de victoires ensemble.